Théo, les amis, comme vous pouvez le voir sur la vidéo derrière moi là, une nouvelle star a vu le jour. Elle s'appelle Aïcha Tremblay. Oui, elle a créé un nouveau concept, même pas qu'elle a créé. Elle est sortie un jour, elle est partie danser au bal poussière. C'est comme ça que Dieu a mis sa main sur elle. Elle est devenue une star interplanétaire qui tremble sur ses épaules. Mon Dieu, on dit que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes, ou que le temps des hommes, ce n'est pas le temps de Dieu. Qui aurait pu croire qu'une petite villageoise perdue d'un coin quelque part là-bas au Burkina Faso pouvait un jour se retrouver sur le toit du monde en train de trembler comme ça? Vous savez, dans la vie, parfois, les gens n'ont pas confiance en Dieu. Les gens n'ont pas confiance en eux-mêmes. Les gens croient que pour eux, c'est fini. Les gens croient qu'ils ne sont plus rien. Voilà une petite fille qui vous montre que dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir. Là, voilà qui signe désormais. Elle signe les contrats à plusieurs millions de francs CFA. Est-ce qu'elle aurait pu imaginer sa vie a changé comme ça là? Tout d'un coup, bam! Elle s'est levée un bon matin, elle s'est retrouvée partout, dans toutes les vidéos, dans tous les statuts. On l'invitait à la chaîne nationale. Mon frère, Aïcha tremblait. Pourtant, même son tremblement, qu'elle tremble dans les épaules, là, elle ne tremble pas. Elle tremble même trop, quoi. Au Cameroun, slash chez nous, là, il y a les gens qui tremblent, parce que tu crois même que quand les mamans Bansa, les mamans Yaoundé, là, qu'elles tremblent les épaules, là, elles tremblent parce que son corps vibre. Il y a les vibrato chez nous. Mais les vibrato ne sont pas devenus comme Aïcha tremblait. Voilà, Aïcha tremblait comme ça, en un seul instant. Sa vie a changé, gars. Et maintenant, vous allez voir tout le monde en train de parler d'elle. Tout le monde gratte son beurre. C'est normal, c'est son moment, c'est son instant. Laissez la fille là vivre sa vie. Et ne vous méprenez pas. Parce que je vois, il y a les Ivoiriens. Oui, je parle de vous encore, mes chers frères Ivoiriens. Je vois les Ivoiriens comment elle dit que c'est grâce à eux que Aïcha devient star. C'est grâce à eux que Aïcha est relayée pardon, le monde. Arrêtez ça. Laissez les gueules, mes chers frères Ivoiriens. Acceptez qu'une Burkinabé est venue trembler. Et son tremblement a pris le monde entier. Aïcha Tremblay, qui aurait pu en sincèrement de vous à moi. Elle ne peut pas parler français, elle ne parle même pas français. Elle ne sait pas s'exprimer en français. Mais là, voilà qu'elle est devenue une fille qu'elle règne sur le toit du monde entier. C'est un exploit. Ce n'est pas tous les jours qu'Aïcha va naître. Ce n'est pas tous les jours qu'on va se lever. On va voir une Aïcha Tremblay qui va régner sur le toit du monde entier. C'est son buzz. C'est normal qu'elle fasse son buzz. Tout le monde est allé, bon, pas tout le monde, les gens ont fait le buzz là sur la toile. C'est vrai qu'elle a fait au moins ces 2 mois, ou trop 3 mois de buzz après, on a dû parler d'elle. Laissez-la vivre son buzz. Elle signe les contrats, elle mange un peu son argent. Après, elle va rentrer là-bas au Burkina Faso, rester avec son gars qui s'appelle Adama. Parce qu'elle est partie à la télé, on a dit que ton gars c'est qui? Elle a dit que son gars c'est Adama. Comment on dit que Aïcha, Adama, Salana, dans son gars comme ça s'appelle Adama. Moi, je suis trop fier lorsqu'elle voit qu'il y a une fille comme ça qui réussit. Gars, on ne connaît pas. Internet est bizarre. Il y a des gens qui se lèvent d'ailleurs qu'ils font tout genre de vidéos. Ça ne réussit pas. Mais il y a d'autres qu'à un moment donné, comme ça, bam! Dieu dit que c'est ton œil. Brille. Il brille plus que 1000 feux. Je vois encore d'autres personnes qui disent que, wow, on aime trop encourager la médiocrité. Il y a des enfants qui sont talentueux, mais ils n'ont pas les vues. On ne parle pas de hé. On parle de ce qui chauffe. Aïcha a tremblé. Ses épaules ont fait Aïcha a tremblé, Aïcha a tremblé. Dieu a dit que ma fille, tu as tremblé. Vas-y avec ton buzz. C'est son buzz. Laissez la petite fille là, pardon. Profitez de son buzz. Aïcha, tant que tu vas trembler, nous, on sera là pour, mettre tes, pour te soutenir et faire que tes épaules ne tombent pas. Oui, c'est son heure de gloire. Donc, aux aigris qui sont en train de dire que oh, c'est grâce à eux, surtout les Ivoiriens là, parce que je vois que vous là, il n'y a rien qui peut se faire sans que vous ne mettez votre bouche dedans. Laissez la petite fille là faire son buzz en paix, mes chers frères Ivoiriens de Barbie. Pardon. On sait que là-bas, on sait que vous êtes trop fort là-bas en Côte d'Ivoire et tout, mais laissez-la faire son buzz. C'est son moment, c'est son instant. Laissez Aïcha trembler. On dit qu'elle part en France. Aïe, Aïcha. On dit que tu pars en France à trembler. Qui aurait cru? Toi-même, je suis sûr que je connais pas la France se situe. Toi-même, je suis sûr que je connais la France se situe parce qu'elle était dans une bataille à Ouagadougou. Hein. Sa première fois d'arriver à Ouagadougou, c'est quand elle part à la télévision à cause de son tremblement et politique. Donc laissez-moi la petite fille là trembler et surtout les producteurs ne la niorcez pas. Les producteurs burkinabéens ne la niorcez pas. Parce qu'un temps d'un moment, on ne va pas la niorcer la petite fille là. Laissez-la faire son instant de gloire avec son tremblement. Elle mange sa stamania et elle déguerpit. C'est comme ça. Aïcha, tremblez.